6 contre 6. J'en oubliais ma politesse, bienvenue. C'est un certain Mitsaki. L'argotique. Et voilà. Je suis un peu avec personne là. Faut un peu que j'appelle du monde. Yo. Yo, bienvenue. Je suis tout seul, les mecs. Yo, yo, bienvenue. Thibaut. Ah, je sais pas, les mecs, je suis en train de filmer, donc... Voilà, ce magnifique fight. Faut quand même expliquer le truc. Hein. Eknad Noba qui lance des rumeurs sur nous sans preuve. Quand tu lui demandes une preuve, elle donne rien du tout. Altesser pareil. Donc en fait, ça vient d'un Justice League qui se croit tout permis. Parce qu'ils sucent le staff ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc ça leur laisse le droit de dire que nous, on utilise des bots et qu'on est des hackers, etc. etc. Mais niquez vos mères. D'accord ? Niquez vos mères. Il y en aurait un en face de moi, je le claque. Bref. On se fait aggro... Voilà, j'aime les mecs. On se fait aggro à chaque fois à l'HDV. Toujours avec Nad Noba, voilà, Altesser. Je sais pas c'est qui l'autre. Téléphone, mute. Voilà. On a déjà tué quelqu'un, je sais pas c'est qui, comment Lipou, je sais pas quoi, un sacrieur de merde en mousse, stuffé comme un chien. Je sais pas, Altesser qui vient de mourir, voilà, je t'encule ta mère au passage. Voilà, et que ton nom soit sanctifié. Voilà, ça m'aggro 1v1, 2v1, ça... Ça commence à partir loin, machin, ça invente des trucs et tout, je comprends pas la rage qu'ils ont. Voilà. Quand on est faible dans la vie, il faut qu'on soit supérieur dans un monde virtuel. Ça semble logique. Donc voilà. Alex qui vient de... qui vient de se faire stand. Même pas... Quand tu CC, c'est neuf, ouais. Mais je crois qu'il y a eu un CC en plus. Donc... Je sais pas, et puis... voilà, on commence à rentrer dans une aggro, 2v1, ensuite Ekna qui arrête pas de me chaîner 1v1, qui me benko, qui me réaggro. Après il y a des potes d'une autre guild qui est aggro, machin, je vois dans le canal ça commence à tout le monde les sucer, raconter des trucs sur narcotiques, machin, bon bref. Histoire de gamin, s'il n'y a pas de preuves, fermez vos gueules, d'accord? Et il n'y a pas de preuves, donc fermez vos gueules, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, après ça commence à nous énerver, on arrive à 6, voilà, 6 contre 6. Une belle aggro, il y a du monde qui regarde, si vous étiez là dans les gens qui regardent, et ben, petit coucou au passage. Et voilà, comme ça on n'en parlera plus, c'est tout. Ouais, je vais pas faire 50 vidéos, on était 6 contre 6, on verra à la fin, et c'est tout, t'inquiète pas. Je vais pas parler, faire comme eux là, ils sont sur Twitter là, mes couilles, Facebook, je sais pas quoi, ils ont pas de vie, ils sont H24 sur internet. C'est bon. Faut arrêter 5 minutes, bah ouais, ils s'emmerdent. Ils habitent dans une campagne paumée, ils ont pas de vie, et voilà. Je peux te dire quoi de plus? C'est tout, on les viole et voilà, et je crois qu'ils ont ramené leur meilleure équipe avec leur sacré de merde. Depuis tout à l'heure, ça fait 3 fois, 4 fois d'affilée qu'on les rock. Ils ramènent à chaque fois des gars plus forts alors que nous on a toujours la même équipe. Bah ouais, c'est bien les mecs, c'est bien. Continuez, un jour vous serez bon, vous serez fort un jour. Continuez d'accuser aussi sans preuve, c'est bien. Et pour les autres qui regardent cette vidéo, faut essayer d'avoir une vie. Hein,
arrêter de sucer les autres et de les suivre et de les écouter dans tout ce qu'ils racontent. Moi c'est simple, c'est comme à la télé, c'est comme au tribunal. T'as pas de preuve, tu fermes ta gueule. Voilà. Et les gens ils ont aucune preuve de ce qu'ils affirment, donc ils ferment leur gueule. La vérité, ton idée de partir à la Ankama, je sais pas quoi, truc là. Le Japan Expo là. La tête de moi, je serais... Ton idée elle était pas mauvaise. Hein. J'y vais là-bas, j'en croise un, je le tarte. Ma parole, quand vous y allez, essayez de pas vous habiller en rose ou d'avoir des t-shirts bizarres, hein, puisque vous allez vous prendre des gifles. Hein. C'est pas grave. Parole, on est tranquille. T'es dans ton vrai monde, pépère. Tu demandes rien à personne. D'un moment, on met des choses, ça. Dis comme on avait dit, on aimerait bien que les gens ils viennent chez nous et tout. Ils s'occupent chez nous, ça, c'est cool, tu vois. Mais ils viennent pour agro. T'es obligé de fermer la porte du vrai monde, mais c'est grave quand même. Faut essayer de mettre un truc où on peut refuser certaines personnes au vrai monde. Ce serait bien, tu vois, parce que. Eux, je sais pas s'ils ont les moyens de s'en acheter un ou je sais pas quoi, on s'en fout de leur vie. Eux, ils s'occupent de notre vie, mais nous, on s'en bat les couilles de leur vie. Mais je sais pas, allez dans votre vrai monde, faites votre vie. Bah ouais. Après, ils sont là. Ouais, en karma, ils sont trop faibles, ils arriveront pas à vous démasquer, alors nous, on fait le job à leur place et tout. Mais va te faire enculer. Tu crois que Hush ou je sais pas qui ou... Ou l'autre, le codeur là, Azael, je crois qu'ils sont pas assez forts pour savoir quand il y a des bots et des trucs et des hackers et tout. Mais faut arrêter deux minutes la paranoïa. Le mec il vient, il check les comptes, il check les trucs, les logs, les machins, il sait directement. Donc si vous écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, faites-le, comme ça. Et mettez même un message sur le forum qui va nous laver de tout soupçon, ce serait bien, parce que le harcèlement ça commence à casser les couilles un peu. Tous les jours, à chaque fois que tu te connectes, tu reçois des messages, t'es obligé d'ignorer. Les mecs ils font des mules toute la journée, ils ont que ça à foutre. C'est un handicapé mental qui est sur une chaise roulante, il a rien d'autre à faire que de tapoter le clavier ou quoi. Parole, c'est vrai. Mais il va se barrer, je pense. Ah non, il peut pas se barrer. Mais il est passé où? Mais il a disparu. Ah, mais c'est bon, il va le défou, c'est bon. Ma parole, Alex, s'il est pas sur sa Skype, c'est parce qu'il savait qu'il allait les insulter. Il savait. S'il est pas venu, c'est qu'il a la rage. En plus, ils te mettent quoi? Ouais, le mec il joue avec 6 persos, je sais pas quoi. Et tu vois pas dans la vidéo, bâtard, que je suis en train de jouer avec un seul personnage. Tu vois pas que là, il y a Sven. Vas-y, parle Sven, c'est toi, tu peux parler. Voilà, il y a Thibaut, il est pas là. Et il y a Alex, il est en train de jouer 3 persos et le perso à sa meuf. Ouais, ok, celui-là c'est le perso Alex. Celui-là c'est le perso à sa meuf, habituellement c'est pas le sien. Donc voilà. T'as le droit d'avoir 2-3 comptes, c'est pas interdit par les conventions, donc tu fermes ta gueule. Putain, des faibles en plus, c'est quoi des faibles? L'autre il est parti là-bas, il a tenté de tuer l'ennemi, mais bon. Ouais, il a tenté, c'était naze. On se le fait lui, Sven.
Oh, ah, il s'est barré l'enculé. Il joue combien de fois, lui? Je vais faire comment pour aller là-bas, moi? C'est ce que je veux faire, t'inquiète. Ben ouais, nous on est arrivé, tu sais quoi, on les a vus sur Wakfumag, on était fiers, on a dit oh regarde, une guilde elle est dedans et tout, on était contents. Après on a vu c'était des mange-merde, tu sais quoi, ils se lèvent le matin, ils mangent pas des Kellogg's, ils mangent de la merde. C'est bon, t'aimes bien manger de la merde. Putain. Allez hop. Si vous voyez ce mec là, si vous croisez Claymore, envoyez-lui un petit message, dites-lui GG pour avoir maraf tout le monde dans ce combat. Nouvelle recrue après le mercato là, t'inquiète. Bah voilà. Fructueux. Avec tout le monde qui regarde la vidéo, t'inquiète pas qu'ils vont en prendre une claque. Hein. Tout le monde qui regarde le combat aussi d'ailleurs à l'HDV. Ouais, elle lag, elle arrête de mytho, ta mère. Voilà, je te le dis en live, ta mère la pute. Paye des pipes au bot de Boulogne. Ma parole, j'ai... aussi, un petit message à l'injustice League. Achetez-vous un ennemi, parce que... ça peut servir dans un combat. Je les entends d'ici. Ah ouais, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'ennemis. Hein. Ouais. Ta mère la hyène. C'était un faux mort. T'as vu? Là, il utilise les mêmes sorts que dans la vraie vie, hein. Fils de puterie. C'est pas filouterie, fils de puterie. Non. T'inquiète pas, je vais te finir. Avec des mecs qu'on surnomme la poutre de Bamako. Oh, tu as gros ici là, tu as gros ici. Bim, allez, va, retourne lécher. Tête de fion. Je suis sûr ils ont des gueules plein de boutons et tout. Tu sais, ma parole, si je ferais des screens de tout ce que je reçois, mais il y en a, ils seraient en prison, Rascar. Eux, tu leur dis un mot, ils screen, ils envoient comme des culs. Après, c'est les premiers à critiquer le staff d'Ankama et tout. Hein. Derrière, c'est les premiers à critiquer. Mais après, quand ils ont besoin de quelque chose et tout, direct, un truc, un screen, machin, si, ça, des poucaves. Parole. Tu m'as dit si, tu m'as dit ça. Nanani, nanana. Je trouve ça bizarre que je l'ai pas ignoré encore, tu manges merde là. Ignoré. T'as vu, ils envoient des pics de. T'as plus envie de les frapper encore, tu vois. Des pics de trucs de balle. Des trucs de baltringue. C'est de la provocation en fait, c'est pire. C'est pire. Coucou à la vidéo, Alex. Et ouais. Il est pire qu'énervé.
Je vais supprimer celui-là, je crois. Ignorer. Ah, il était dans le combat, Anatani, là. Si, ouais, c'était le chat, je crois. Vas-y, ignorer. Je les ai tous ignorés, y'a plus personne qui va me parler, tu sais quoi. T'sais, les gens commencent à être déçus, bip. Ouais, vas-y, tu peux gagner. Putain de bouffon, hein. Voilà. Merci pour remercier ceux qui continuent à soutenir et envoyer des petits messages et tout, ça fait plaisir. Bon, vraiment, hein, pas que moi, il y a beaucoup d'autres gens de la guilde qui reçoivent des messages. Ça leur fait vraiment plaisir. Et puis ceux qui veulent envoyer des messages bizarres, ben je ferai ignorer directement, donc perte de temps. Et hop, ça fait mal. Ah, moi je dis, ça vaut le coup de ça. Oh merde les mecs. Eh ouais. Vas-y, moi je vais pas relancer là, je vais me barrer. Allez les gars, merci d'avoir visionné la vidéo. Petit dépop. Ciao ciao.